Bonsoir, camarades du peuple d'Afrique. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos bords, depuis vos positions respectives. Soyez chaleureusement salués, chers camarades. Alors, je vous avais dit que j'allais prendre rendez-vous avec vous pour continuer. Pour continuer de décortiquer le débat Katina Koné et Mamadou Touré. Mais aussi, il y a une actualité qui est rentrée dans la danse concernant la Guinée-Conakry. Les Américains ont mis un compte à rebours en Guinée-Conakry pour décompter le nombre de jours qui restent à la transition guinéenne. C'est-à-dire qu'ils ont fixé, ils ont mis là, il restait, je crois, 500 et quelques jours. Donc, ils ont mis un jour, 500 et quelques jours, ils ont mis tel nombre d'heures, tel nombre de minutes et puis tel nombre de secondes. C'est-à-dire que ça compte quoi? Donc, ça, on va en parler peut-être dans une autre vidéo. Et on va aussi en parler. On va aussi parler de beaucoup de choses, on va dire. Vous savez, il y a aussi la jeune fille gabonaise qui a été tuée là-bas, en Turquie. J'ai même fait une vidéo que j'ai publiée sur Gbagbo Fils, vous pouvez aller voir sur Gbagbo Fils. J'ai fait la vidéo, la fille, elle a été violée avant d'être froidement et lâchement assassinée. Donc, je me suis prononcé là-dessus. Mais, on va commencer déjà par le début du commencement. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Je pense qu'il est 23h35 en Afrique de l'Ouest. Ici, il est 1h36. On va commencer, chers camarades, plus d'Afrique. Donc, on commence par le début du commencement. Atu Banga, on va pas s'attarder sur Atu Banga. Donc, on écoute, camarades. Écoutez, Katina. Peut-être vous l'avez pas bien compris, je vais répondre les termes. D'accord, donc, il y a la renaissance du président Laurent Gbagbo, certes, mais il y a la renaissance de notre parti, de notre structure, de notre vie politique, de notre instrument politique. C'est dans ce pays-là qu'on nous disait que on allait nous vider de nos substances. C'est bien dans ce pays qu'on nous a dit. C'est dans ce pays-là que des gens ont dit Laurent Gbagbo, c'est fini, le FPI, enfin, l'ancien FPI, c'est fini, on va les vider de la substance. Donc, c'est la renaissance ici, il faut comprendre, la renaissance comme étant ici la mise en ordre d'un processus qui était en cours, que malheureusement interrompu de façon assez violente. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de la renaissance, le président Laurent Gbagbo incarne une bonne population qui souffrait également de son absence. Donc, quand vous faites seulement une renaissance, vous renvoyez à la personne, vous ignorez toute cette population qui se reconnaît exactement en lui et qui était aussi totalement dans le silence et qui souffrait et qui régnait aussi. Donc, attention, il ne faut pas le ramener seulement à une seule personne. Je rappelle que professeur Simplice... Aujourd'hui, on renaît en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent parler. Parce que Gbagbo est là. Les Ivoiriens peuvent s'exprimer. Parce que Gbagbo est là. Nous, on renaît. C'est ça. C'est pas Gbagbo seul qui renaît. Hein? Nous, on renaît avec Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Allez, partagez. Réaction, juste la chronologie des faits est le plus grand témoignage de l'histoire. Voilà. Docteur, le président de la République a parlé le 31 décembre. C'est cela. Le président Laurent Gbagbo, le 10 décembre à Azopé, a bref déjà pris rendez-vous avec la jeunesse. Donc, s'il y a quelqu'un qui copie, si nous devons rester dans la logique de la copie, c'est bien ceux qui en parlaient en dernière position. Ça, ça me paraît très important. Voilà. Deuxième élément ajouté, en 2016, le même président, le même gouvernement avait déjà dit qu'il faisait des 5 ans, 2007-2020, l'année de la jeunesse. Le mandat de la jeunesse. Le mandat de la jeunesse. L'action est claire que le vôtre, la jeunesse, la promotion de la jeunesse sera au cœur de mon second mandat. Alors on se pose la question de 2016 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a pu se passer et que c'est finalement
Lorsque le président Laurent Gbagbo, là je m'en tiens à la logique chronologique des faits, mm-hmm. parce que ce que je dis, les historiens disent la chronologie est la plus grande preuve de l'histoire. Mm-hmm. La chronologie des faits, celui qui a parlé le premier, qui devait parler à la jeunesse, c'est le président Laurent Gbagbo. Et celui qui a parlé en dernière position, et nous ne savons pas pourquoi il en parle, puisqu'il en avait parlé 5 ans avant, c'est le président Ouattara. Donc, puisque vous avez convoqué les historiens, Arthur Banga qui veut intervenir. Arthur Banga vaut rien. Donc, vous avez compris? En fait, c'est parce que Gbagbo a parlé de la jeunesse à Azopé, là. Gbagbo, le 10 décembre, Gbagbo a dit à Azopé que je propose une discussion avec la jeunesse. Gbagbo, il veut rencontrer la jeunesse, parler avec la jeunesse. Quand Gbagbo a dit ça le 10 décembre, le 31 décembre, Draman a mis ça dans son discours. Que non, cette année est l'année de la jeunesse. Bon, l'année de la jeunesse, et bien la jeunesse ivoirienne fut parlée en Tunisie. Les Tunisiens les maltraitent là-bas. Les Tunisiens les massacrent là-bas. Même où je vous parle, les Ivoiriens sont en train de sortir. Ils sont remplis dans les cars pour aller en Tunisie. Ils sont remplis pour aller au Maroc, etc. Ils sont remplis dedans actuellement. L'année de la jeunesse, là, la même jeunesse est en train de fuir. Qu'est-ce qu'il y a, voilà? Monsieur Draman, Draman Ouattara dit que c'est l'année de la jeunesse. Mais la jeunesse est en train de fuir son année de la Côte d'Ivoire. C'est ce que Gbagbo dit, il dit, mais tu sais pas pourquoi Gbagbo a dit. Donc, c'est Gbagbo qui a dit ça avant que, comment dirais-je, que Draman Ouattara le dise. As-tu Banga n'a pas parlé dans mon téléphone ici? As-tu Banga parle pas dans mon téléphone ici? Un petit insolent, un bonobo insolent, sa bouche là, pa, il vaut rien, un suiveur, un sang. Un laquais, un France-Africain, c'est-à-dire qu'un suiveur, un valet, un silet de chaussures. As-tu Banga ne peut pas parler dans mon téléphone. Pourquoi? Un suiveur, c'est eux qui ont ramassé pour venir parler à Macron ici. La jeunesse panafricaine parle à Macron. Elle parle à notre place. Quoi? Jeunesse panafricaine, c'est nous, le panafricanisme. Nous, quand on dit panafricain, on répond. Un bâtard. Et tout le monde le sait. Quand on dit panafricain, on répond. Et panafricaniste, lui-même sait que ouais, ah, les enfants qui ont répondu là, ah ouais, ça c'est le panafricaniste, vrai. Tu banga là, c'est vrai. Allez, on partage. On va écouter. Ce soir, ici, estime que vous êtes dans une logique de copie. Est-ce que le gouvernement fait? Non, alors là, bien sûr. Monsieur le ministre. Oui. Voyez-vous. Quand on a décidé de faire la politique, en faisant la politique, faisons en sorte que ceux qui nous regardent aient envie de faire la politique. Voilà. Je répète que lorsque un président de la République dit pendant 5 ans, je place l'action des jeunes pendant au cœur de mon action gouvernementale. Draman, c'est un menteur. Sans avoir expliqué le bilan qui a été fait de ce qu'il avait promis. Et qu'il vienne dire aux mêmes Ivoiriens, aux mêmes jeunes. S'il vous plaît, je sais de l'année 2023 une année. Il me dit cette thématique. OK. Mais chaque thème en politique a une portée. Chaque thème a une portée. Moi qui suis un observateur, je me rends, je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il a entendu? C'est quand même qu'il parle. 2023, l'année 2023 soit déclarée une année des jeunes, là où pratiquement un mandat avait été, parce que c'est vous, mais je vais vous expliquer. Vous laissez pas, vous laissez pas, vous laissez pas, je peux quitter la partie. Non, je peux. Non, laisse terminer, puis je vous donne la parole. Là, tu vas parler ça. Mais pourquoi je dis, ne parlons pas de mimétisme. Ok, d'accord. Il y a toujours une idée, et devant une idée, beaucoup, on ne change pas la roue, on améliore la roue. D'accord. Donc, ce sont des idées d'amélioration. Non. Il y a des idées qui existent, s'il vous plaît. Et nous constatons qu'il y a énormément de défaillances. C'est ça ? Énormément de défaillances. Parce que nous nous disons, mais attendez là, regardons la situation de la Côte d'Ivoire. Quel est ce pays qui subitement dit, je travaille pour les jeunes, je veux travailler pour les jeunes, et puis ben voilà, quelques... Alors, vous allez intervenir tout à l'heure. Vous parlerez. Il n'y a aucun problème.
Donc, vous trouvez nos jeunes en train de mourir sur dans la mer. La Côte d'Ivoire, deuxième demandeur d'asile en France, derrière l'Afghanistan. C'est grave. Depuis 2011. Et toutes les jeunes. Rouge, on arrive, les tendances de suicide sont énormes. Les jeunes étudiants se tuent. Est-ce que finalement, les méthodes que nous sommes en train de faire sont les meilleures? Et c'est en cela où le président Laurent Gbagbo revient et dit, je constate un certain nombre de choses. Ces jeunes, non seulement se sont battus pour moi, ils ont effectivement travaillé pour moi, mais je constate qu'en plus, ils sont encore dans une situation de désolation. Désolation totale. Il y a beaucoup de trucs, de solutions. Peut-être que ce n'est pas les bonnes solutions. Regardons et interrogeons les jeunes pour savoir ce qu'ils veulent. Que quelqu'un ait déjà fait ça, ce n'est pas un problème. Interrogeons les jeunes et pour que qu'est-ce qu'ils vont faire. D'accord. Et par rapport à ça, il fait sortir une proposition, des propositions pour essayer de gérer cette situation. Parce que en fait, nous sommes devant une jeunesse. Et ça, c'est la responsabilité, quelles que soient nos opinions politiques différentes, bien sûr, de trouver la formule pour leur donner l'espoir. Absolument. Allez. Réaction, ministre Romano. Ce sujet aurait été débattu dans le troisième thème, mais comme il veut qu'on débatte maintenant, il n'y a aucun problème. Alors, ce qu'elle dit en substance, c'est que... Si vous avez déjà compris son propos, allez-y. En 2011, lorsque le président Hassan Ouattara arrivait donc à la tête de ce pays... Vous aviez entre 2000 et 2010... près de 400 000 jeunes chaque année qui arrivaient sur le marché du travail sans perspective, avec un stock de près de 4 millions de jeunes dont nous avons hérité du fait de l'échec des politiques que vous avez mis en place. Lorsque le président Ouattara arrive, donc vu l'ampleur, le défi, le premier mandat a été dédié donc à la jeunesse, avec des réformes importantes qui ont été entreprises. Quoi ? Des actions importantes qui ont été entreprises. Vous avez fait quoi ? De notre système d'éducation. Vous savez qu'aujourd'hui, près du quart... Kanda Camara. Et part dans le secteur éducation. Ensuite. C'est un menteur, c'est un menteur. Non, il a coupé la partie, écoutez-y. Il a permis de créer près de 2 millions d'emplois pour nos jeunes. Vous mentez. Voilà. Vous mentez et je ne peux pas. Voilà. Voilà. Juste un collègue Katina. Donc. Donc, Draman a dit. En 2010, pendant la campagne, il va créer 1 million d'emplois pour les jeunes. 1 million d'emplois en Côte d'Ivoire. 1 million d'emplois. En 2018, la BAD, la Banque africaine de développement, la BAD, sort un rapport pour dire, c'est vérifiable sur Internet, allez-y. Vous pouvez vérifier sur Internet. La banque dit que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est entre 70 et 90%. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est en 2018. Alors que Draman a dit en 2010 qu'il va avoir 1 million d'emplois. Et aujourd'hui, toi, tu viens nous dire que Draman a 2 millions d'emplois. Comment 2 millions d'emplois où? C'est comme ça, il passe leur vie à mentir. C'est-à-dire que quand il ment comme ça, il ment. Frère, quand il finit de mentir comme ça, là, leur militant, et ils répètent ce qu'ils ont dit, les mensonges qu'ils ont dit là, et ils brassent ça, ils écoutent ça, et ils répètent ça. Chaque grain de terre, on a créé 1 million d'emplois, on a créé 2 millions d'emplois, on a fait ceci. Mais ceux mecs qui sont en train de dire on a créé 2 millions d'emplois, ils sont en train de cotiser un peu pour sortir du pays. Mais comment on a créé 2 millions d'emplois et toi tu es assis au grain, dans le même grain tu es assis là-bas, tu n'as pas bougé. Vous êtes 10 au grain. Il n'y a même pas un qui travaille, qui fait bon travail. Tous des petits électriciens, des petits dans le secteur informel. Mais, et posez-vous les questions pour comprendre, mais pourquoi ce gars nous ment? Et c'est ça Katina est en train de détailler aujourd'hui. Dites merci à Katina. Comment on continue? Mais malheureusement, la Côte d'Ivoire existait depuis 10 ans. Alors, il y a une importante. Vous êtes terminé depuis 10 ans. Alors, rapidement, oui, allez-y. Je réponds pour corriger un certain nombre de choses. Oui, allez-y. Des choses qui ne sont pas totalement juste bien dites. Il faut laisser un peu dans le jour. La première des choses, les cadres affectés. L'éducation, le budget, ça date du pouf-oui.
Donc, je pense que le nouveau là-dessus a toujours été le budget le plus élevé. Donc, on a bien fait le nouveau là-dessus. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les commissions dont vous parlez, commissions régulières, comment on appelle, des jeunes et autres, ça a toujours existé dans les communes. Oui, mais c'est ce qu'on vous dit. Non, non, j'arrive, s'il te plaît. Donc, vous mais pourquoi t'as dit, c'est vous qui avez fait menteur là. Ce que vous copiez, c'est que vous n'avez rien créé à ce niveau. Ils n'ont rien créé. Vous avez dit, et je voulais revenir là-dessus, c'est le taux, de choses, le taux d'emploi. Non, quand nous sommes devant la télévision des Ivoiriens, et quelqu'un qui souffre, pas dit des chiffres qui ne sont pas justes. C'est dramatique, je vous dis. Quel chiffre à vous oh. Les chiffres du ministère de la jeunesse de l'emploi. Vous êtes, nous sommes, et confirmé par la Banque mondiale, nous sommes à 91% de personnes qui travaillent dans le secteur informel. S'il vous plaît, non, on ne va pas l'interrompre. Allez-y au bout. Dans le secteur informel. Et ça, c'est tout. Pour vous dire que vous n'avez rien fait de plus, c'est pratiquement ce taux que la Côte d'Ivoire, c'est plutôt la fourchette, et vous-même creusez. Parce que dans les années 90, même jusqu'en 2011, jusqu'en 2001, 2002, le taux du secteur informel en Côte d'Ivoire se trouve autour de 60-65%. Non, 60-65%. Vous avez raison, oui. 10% du taux du secteur informel. C'est-à-dire que quoi? Que vous êtes dans une situation, vous créez une situation de misère et qui fait que les gens vivent dans le... Ils font de l'économie de survie. Et c'est ça, vous allez vous appeler. Je ne peux pas lui laisser dire ça. Mais vous allez réagir, monsieur le ministre. Vos chiffres, non, s'il vous plaît. La lecture que vous faites. Mais c'est vos chiffres à vous, c'est pas les miens. Alors, monsieur Katina, lorsque vous dites. Lorsque vous pas les miens, c'est vos chiffres à vous. Mais je vous réponds. D'accord. Lorsque vous dites. D'accord. Réagissez aux chiffres. Si vous estimez qu'ils ne sont pas bons. On parle de 2 millions d'emplois créés. Oui. Ces emplois, donc, sont partagés aussi bien au niveau du secteur formel que du secteur informel. Ah non, non. Tu as créé quoi dans le secteur informel? Tu as créé quoi dans le secteur informel? Menteur. Mytho. Quand on dit secteur informel, voilà quelqu'un qui vient au pouvoir et qui vient trouver que le petit Madou a sa cabine. Tu n'étais pas au pouvoir, Madou avait sa cabine. Tu es venu au pouvoir, Madou a tué sa cabine. Tu as créé quoi? La petite Deneba, elle vend son petit Baka chaque matin au carrefour. Son petit Baka avec son petit Nomi au carrefour. Tu es venu avec vos rébellions et vous avez renversé Babo. Deneba vendait son Baka. Vous êtes venu la trouver là. Et toi, tu dis que c'est toi qui as créé le travail pour la Deneba. C'est bon! Tu n'as rien créé. Zoku avait son petit son atelier de menuiserie. Zoku avait son atelier de menuiserie. Il fait les tabourets, il fait les chaises. Il se l'est là. Draman Ouattara était encore burkinabé. Zoku avait son atelier. Et tu dis que c'est toi qui as créé le travail de Zoku. Tu as créé ça où? Non! Vos 2 millions d'emplois, c'est pas ce que vous nous avez dit. Vous avez dit que vous allez créer de l'emploi pour les jeunes et pour les Ivoiriens. Vous n'avez pas dit que ce que vous avez trouvé, vous allez compter ça dedans. Vous n'avez pas dit ça. Au contraire, le petit Madou, les Mori, les Kwame qui étaient à la casse, vous n'avez pas dit raser la casse. Pour les mettre au chômage. Et ces personnes-là, désemparées, ont pris leur économie et ils sont retrouvés en Tunisie et ils ont fui, ils sont allés au Maroc et c'est eux qui viennent en France. Il y a certains qui meurent dans la mer. Voilà la réalité. Et imaginez un instant que tous les Ivoiriens qui sortent pour venir ici en France, pour venir en Europe, restent en Côte d'Ivoire. Ils restent là-bas. Dans cette situation de misère où il n'y a pas de débouché. Frère, Roman, tout est gâté. Voilà la réalité. Donc, vous n'avez rien créé. Vous n'avez rien créé. On continue. Laissez-moi m'exprimer, monsieur. Allez-y. Lorsque vous allez intervenir, soyez patient, s'il vous plaît. Lorsque vous dites qu'il y a 91% de travailleurs au niveau d'un secteur informel, donc vous reconnaissez qu'il y a des travailleurs. Mais c'est pas travailleur. Tu es venu à trouver. Menteur. Attendez, je vais vous expliquer. Attendez, d'accord,
Je vais vous expliquer pourquoi. Je veux que Katina me laisse m'exprimer. Il te laisse, plaisir. Parle. Vous avez la parole là maintenant, allez-y. Vous avez 91% de travail. Alors, je vous rappelle que le chiffre était de 93% et que nous avons baissé le taux de travail dans le secteur informel pour quitter 93%. Menteur, ils ont fui. Ils ont fui. Vous avez cassé leurs ateliers. Vous avez rasé en haut des ponts. Tous les petits réparateurs de téléphone qui avaient leurs petits bacs là, vous les avez rasés. Vous avez cassé tout. Ma cassé, vous avez tout cassé. C'est ça. Vous avez fait. Qu'on a diminué. Vous avez mis les gens au chômage. Formalisation de toutes ces entités qui sont dans le secteur informel. Quand vous dites que toutes les entités jeunes existaient, M. Katina, ça existait. Le Conseil national des jeunes n'existait pas sous Laurent Gbagbo, n'existait pas sous le PDC. Laissez-moi parler. Ce ne sont que des noms que vous avez nommés. Vous avez changé de nom. Aujourd'hui, vous avons... permettez qu'il termine. Vous avez changé de nom. S'il vous plaît, vous avons... pas l'interrompre. S'il nous vous plaît. Avons un Conseil national des jeunes qui existe depuis que le président Ouattara est là, avec un président qui s'appelle Diabaté. Martel. Nous avons des conseils départementaux de jeunes qui existent. Et si vous faites le tour de vos différentes régions, vous verrez. Nous avons une jeunesse communale. Et alors, je peux vous dire même que lorsque nous avons hérité de la jeunesse communale, c'est une structure à trois têtes. Aujourd'hui, un processus démocratique a été initié au sein de toutes les organisations de jeunesse qui sont moins politisées aujourd'hui. Nous avons une jeunesse communale qui fonctionne. Donc si vous faites des propositions, ces propositions doivent apporter une plus-value. Mais si c'est pour venir dire des choses qui existent, c'est pour ça que vous êtes interpellé. Alors, c'est ce que vous faites. Voilà. Alors, d'accord, terminé. Alors, messieurs, je vais vous donner la parole tout de suite. Je vais faire la précision suivante. Après ce tour entre vous deux, finalement, si on continue là-dessus, on va terminer les. Vous êtes candidat. Voilà, que vous, à tous les deux, alors qu'on a d'autres intervenants qui sont là. Réagissez sur les chiffres. Vous voulez réagir tout à l'heure. Ouais, vous. Tout à l'heure, nous allons revenir sur les chiffres pour que vous compreniez pourquoi, en tant que financier, je ne peux pas accepter. Quand vous dites ces choses, j'ai un peu froid dans le dos. Voilà. Quand on me dit non, 80, nous sommes à 91% de travail, ça veut dire que les gens travaillent. Vous savez qu'une économie, c'est une articulation parfaite. Non, ne prenez pas de rapport. S'il vous plaît, non. J'en arrive. Je vous ai dit pourquoi je dis. Tu connais rien. C'est pas juste de dire que quelqu'un qui sort de sa maîtrise et que, bon, parce qu'il n'a pas de vision, il va prendre un problème, s'asseoir devant un truc et il fait. On appelle l'emploi, on dit non, j'ai créé de l'emploi. Mais quand vous dites que vous avez créé de l'emploi pour celui-là, moi en fait que financier, qu'est-ce que je regarde? Je dis, mais quel est l'impact de cet emploi-là sur l'économie de façon globale? Rien. Quel est l'impact de cet emploi sur l'économie? Rien du tout. C'est pourquoi je vous dis que tant que nous allons rester dans vos calculs, vos estimations, rien du tout. Je t'explique, non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Rien et laisse-moi parler. Si quelqu'un qui ne participe nullement du tout, vous pouvez parler à prélever d'impôts. Vous ne pouvez pas prendre le prix d'impôt. C'est pourquoi vous avez la pression fiscale la plus faible d'Afrique. Vous avez le taux d'impôt le plus faible d'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que. La prestation fiscale la plus faible d'Afrique. Ça veut dire quoi? En Côte d'Ivoire, on prélève peu les impôts. Puisqu'il n'y a pas de travail, on ne peut pas prélever impôts. Alors que quand tu travailles, tu as un contrat de travail, tu es en CDD ou tu es en CDI, entre le brut et le net, il y a les charges, il y a les cotisations, etc., qu'on te prélève. C'est dans ça, c'est entre le brut et le net que l'État prélève ses impôts sur ton salaire. Mais puisque les gens n'ont pas de salaire, comment tu as prélevé? Tu ne peux pas prélever. C'est pourquoi Draman, économiste du Japon, qui a redressé le Japon, il passe sa vie à prendre crédit. Et il prend crédit au lieu de venir créer emploi avec. Il va construire goudron biodégradable. Goudron biodégradable, là. S'il prenait ça pour mettre dans l'entreprise, construire une entreprise, il cherche des partenaires qui vont venir travailler avec cette entreprise-là. Les partenaires-là même peuvent se cotiser, etc., pour créer la route. Vous comprenez? Pour créer les routes. Ça se fait partout. Et dans les contrats, quand les partenaires arrivent, les multinationales arrivent, quand ils veulent s'installer, mais on met ça dans les contrats. Vous devez construire tel nombre d'écoles, vous devez construire telle route, et puis on vérifie, et puis on vous contrôle. C'est comme ça, c'est fait partout dans les pays. Mais Draman ne fait pas ça, parce qu'il ne peut rien faire. Son cerveau est déjà vieux. Son cerveau est périmé. Il ne peut plus rien faire. Sa vie, c'est de prendre crédit, manger l'argent. Il prend crédit, il mange l'argent.
Là, il a demandé environ 1000 milliards de francs CFA au FMI. S'il a eu ça, là, vous allez voir, il va plus s'asseoir en Côte d'Ivoire. Il va commencer à voyager. Il va commencer à voyager. Il va aller chercher femme partout à travers le monde. Regardez bien là. Regardez nous. Justement, vous avez créé cette bulle de choses autour du thème bon affaire, thème bon prix, etc. Et il n'y a aucun impact. Allez, c'est pourquoi les choses vont. Allez, je vais dire aux financiers du PPAC qui manifestent de mauvaises. Très, très fort, il est très fort. Le taux d'informalité de l'emploi des pays de façon spécifique à la Côte d'Ivoire, c'est la plupart des pays africains. Vraiment, et tout comme ça. Ce n'est pas une station spécifique à la Côte d'Ivoire. Mais quand vous faisiez vos campagnes en 2020, en 2010, là, est-ce que vous avez dit que vous allez faire pareil que les autres pays? Est-ce que vous avez dit qu'on va faire pareil que la Guinée ou on va faire pareil que le Mali? Non, vous avez dit que vous êtes des économistes et que vous allez rendre la Côte d'Ivoire, vous allez faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. 2020 est passé, on est en 2023. Émergence, ça c'est comment? Vous êtes encore pays pauvre et très endetté. Perpété! Vous n'avez pas honte? Une bande de menteurs, des mythos, des démagogues, c'est-à-dire que des marmailleurs. Alors, moi! Les indicateurs aujourd'hui, la plupart des pays africains ont un taux d'informalité de l'emploi. Vous faites quoi alors? Aussi, mais je vous dis ce qu'on fait. Qui est aussi entre 70 et 90%. Oui, mais vous faites quoi aussi alors? Vous avez changé alors? Oui, mais je vais vous dire. Je vous ai dit que lorsque vous étiez aux affaires, nous étions à plus de 93%. Jamais. Mais si. Jamais. Si. Moi, je peux vous donner, j'ai dit jamais. Nous étions à plus de 93%. Pas du tout. Et donc, aujourd'hui. Visiblement, vous n'allez pas vous entendre sur cette question. Non, mais je termine. Aujourd'hui. Il ment sur les chiffres. Il a été ramené à 91%, mais nous estimons qu'il est élevé. C'est pour cela que le gouvernement, quand vous demandez qu'est-ce qu'on fait, le gouvernement a pris des initiatives. D'abord, que nous avons décidé... Depuis 2010, depuis 2010, vous prenez les initiatives menteurs, là. Vous mentez, on ne vous voit jamais. On ne voit rien de ce que vous faites. Il passe des vies à mentir, on ne voit rien. C'est quoi ça? Écoutez. Restituer les propos de nos réunions. Là, il a menti, hein. Quand il est en train d'arranger. Nous n'avons jamais dit ça. Et ça, excuse-moi, monsieur le ministre, il faut faire ces champs de propos là. Connaissant notre parti, nous n'avons jamais dit ça. Nous avons dit et nous allons le reprendre rapidement dès que nous allons au dialogue politique. Nous avons soulevé un certain nombre de faits. Premièrement, conformément à la loi de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être jugé par un tribunal de droit commun. Ça, c'est clair. Violation de ses droits. Deuxièmement, alors qu'il est à la CPI, des juges ont trouvé l'occasion, sans même lui adresser une convocation, violation de son droit élémentaire, pour qu'il réponde devant le tribunal. En matière pénale, c'est l'accusé qui se présente devant le juge. On n'y a même pas envie de convocation. Il n'a pas fini de parler, tu parles. Ferme ta gueule. S'il vous plaît. Nous avons laissé un certain nombre de faits. Et nous sommes arrivés à la conclusion. Et même mieux, nous avons pris une ordonnance dans laquelle on dit tout le monde est amnistié. Ce qui est unique dans le monde, sauf les faits, sauf ceux qui étaient en justice devant les tribunaux internationaux. Nous avons jugé, nous, en interne, que cela voudrait dire quoi? Que c'était une situation circonstancielle liée à un État, il était en procès. À partir du moment où le procès est signé, donc, logiquement, il devait rentrer automatiquement sous le couvert de l'amnistie de l'amnistie. C'est ce que nous avons dit. Et au bout de tout ça, ce que nous avons arrêté comme élément, on a dit, compte tenu de toutes ces injustices-là, et que conformément au droit positif ivoirien, la seule solution qui reste pour réparer une telle injustice, c'est la loi d'amnistie. Allez, je peux vous dire. Nous avons mené pour que nous en arrivions à là. Mais jamais nous n'avons dit que il faut laisser le table rase sur chose. Allez, d'accord. Allez, ils semblent ne pas être d'accord, on laisse réagir. Mais s'ils reviennent sur leur position, tant mieux. Parce que c'était. Parce que Gbagbo a dit qu'il faut que celui qui a tué les Ivoiriens là.
il soit connu. Voilà ce que Gbagbo a dit. Il faut que la CPI vienne chercher celui qui a tué les Ivoiriens. Donc lui dit que les Katina avaient dit non, on n'a qu'à laisser tomber justice. Non, ils n'ont pas dit ça. C'est ça Katina est en train d'expliquer. Voilà ce que nous avons dit, voilà ce que nous avons dit, voilà ce que nous avons dit. C'est ça. On va l'écouter quand même, écoutons. Chopin, il sait qu'on a eu des débats très animés. Ils n'ont pas posé que le cas de Laurent Gbagbo au dialogue politique. Ils ont posé aussi le cas des militaires qui sont en prison et des nombre de personnes. Ce qu'ils ont demandé, c'est l'arrêt de toutes les procédures. C'est ce qu'ils ont demandé. Ce n'était pas le cas de Laurent Gbagbo. Mais là, s'il revient, quelle procédure ? Il ravale aujourd'hui ce qu'ils ont dit et qu'ils estiment aujourd'hui. Moi, mytho, là. Mais si on est tous d'accord qu'une réconciliation ne peut pas aller sans justice et qu'il faut surtout regarder les victimes, d'où qu'elles viennent, etc., on est d'accord. Alors, ouais, là, ce que j'ai dit simplement, c'est que il faut pas avoir une approche à double vitesse. Et quand vous demandez que la vérité soit connue, oui, alors qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, oui, notamment le général Dougoublé, oui, jugé, condamné, oui, pour avoir tué le colonel Dosso, oui, pour avoir tué Yves Lamblin, etc., oui, et que vous continuez à demander leur libération, oui, et que Laurent Gbagbo vient dire, oui, que lui, Laurent Gbagbo, il était le donneur d'ordre. Oui. Il ne peut pas avoir été libéré à la CPI. Et ceux à qui il a donné l'ordre en Côte d'Ivoire sont en prison. Oui. Alors qu'à la CPI, justement, il tendait à démontrer que lui, Laurent Gbagbo, n'avait rien à voir avec ceux qui ont commis l'ordre, les crimes. Et sur cette base, il a été libéré. Je dis simplement, je ne veux pas polémiquer. Ne jouons pas avec les d'accord juridiques. Je ne veux pas être d'accord. Donc aujourd'hui, devant les Ivoiriens, d'accord. Aujourd'hui, devant tous les Ivoiriens, mais quand vous parlez ensemble, personne ne vous suit, en fait. Alors, il ment, en fait. Le gars, il ment, c'est un mytho. Je suis en aujourd'hui devant tous les Ivoiriens pour dire qu'un processus de réconciliation nationale ne doit pas être incompatible avec un processus judiciaire qui doit permettre donc de dire la vérité sur ce qui s'est passé. Voilà. Ce n'est pas votre point de vue au dialogue politique. Non, monsieur. Vous avez prôné l'impunité. Vous avez terminé, monsieur. Là-bas, il mytho, là. Écoutez, Katina, menteur. Je vous propose ce niveau de responsabilité que les vôtres, l'expression, tous les mots ont un sens. Il ment trop, le gars. L'expression qui vous gère. Qui est déjà en prison, on n'a pas besoin de processus, d'arrêter le processus, puisque le processus est venu pour lui. Voilà. Donc, quand on dit qu'il va arrêter le processus, c'est quel processus on va arrêter pour le boubler? Voilà. Tout ce que le président. Il est mêlé maintenant. Et en emboîtant, c'est que le discours ambiant, là, c'est tout. Dire que, écoutez, nous sommes en République, la Côte d'Ivoire veut aller à la réconciliation, et c'est tout. Au dialogue politique, nous avons soulevé un certain nombre de questions. Allez-y au boulot, on va pas dire quoi. Calme-toi, petit. Il y a la réconciliation. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Vous m'avez pris pour m'envoyer à la République, pas pour mes faits, mais pour ma responsabilité, pour faire d'autrui, parce que j'étais le chef suprême des armées. Et donc, c'est parce que j'étais donneur d'ordre. Si donc, en tant que moi, le donneur d'ordre, c'est une situation générique qui pose. Si moi donc, en tant que le donneur d'ordre, au bout du compte, on me dit que je n'ai pas donné d'ordre illégal, ça voudra dire que quoi? Ceux qui ont exécuté ces ordres-là, ne peuvent pas être poursuivis. C'est la logique, la plus chose. C'est la logique. Vous avez soulevé le terrain de Dougoublé. Mais Dougoublé n'est pas le seul en prison. Vous avez dit, lui, on dit qu'il a été jugé parce qu'il a tué telle autre personne. Moi, quand la justice dit, bon, on prend comme les choses, on les prend comme celles. Pour Dougoublé, le président a toujours dit que dans ce processus-là où nous en sommes là, où chacun a tué, chacun a eu beaucoup de choses, chacun a commis des meurtres et énormément, et parfois de votre côté plus grave que les nôtres, il est temps que nous puissions nous arrêter et puis nous regardons. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons quand même une donnée scientifique objective, c'est que le donneur d'or qui a été disculpé, nous souhaitons qu'on mette fin à ça. Le problème qui se pose au PPACI, à Laurent Gbagbo, à ses collaborateurs, au PP. Ce qui veut dire quoi, frère? Ce qui veut dire que, je vais renchérir pour 4 temps qu'on est, ce qui veut dire que, de Gbagbo là, ceux dont on l'accuse là, c'est faux. Il n'est pas coupable de ceux dont on l'accuse. Yves Lamblin là, mais il était associé au papa de Jean-Luc Billon. Il était associé au papa de Jean-Luc Billon. Dogo Blé sait qui l'a tué. C'est les Français de la force Licorne
qui l'ont tué. Yves Lamblay, là, c'est eux qui l'ont tué. Et le garçon que De Gaulle va parler, ils vont voir. De Gaulle, c'est qui l'a tué. Voilà. Donc, les gens, ils sont là et puis ils mentent. Ça, ça fait un côté. Donc, si De Gaulle l'avait réellement tué, les preuves qu'ils ont fournies à, comment on appelle ça, à la justice ivoirienne, qui ont permis à la justice ivoirienne de condamner De Gaulle, ces mêmes preuves-là ont été envoyées à la CPI. Parce que, pour... C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Fatou Bensouda, on lui a donné des années, va chercher preuve. Et elle s'est promenée plusieurs fois. Mais c'est Gbagbo qui se reconnaît le chef suprême des armées pour donner tous les ordres là pour moi qu'il fallait. Tout ce que les Dogo bleus, etc. auraient commis, Gbagbo dit, c'est moi, je suis le chef depuis là. Gbagbo n'était pas sur le champ de bataille. Ça, c'est important de le savoir. Gbagbo n'était pas sur le champ de bataille. Il n'avait pas de calage. Il n'avait pas d'armes. Donc, il n'a tué personne. Physiquement, personne. Gbagbo était dans son fauteuil présidentiel, à la maison. Et c'est lui qu'ils sont venus prendre. Pourquoi ils n'ont pas pris les éléments qui ont tué pour envoyer la CPI? Puis c'est Gbagbo qu'ils ont pris. Parce que c'est Gbagbo qui est le responsable de tous ceux qui opèrent sur le terrain. Donc, Gbagbo était jugé au nom de tous ceux qui opéraient sur le terrain et qui répondaient de lui et qui mettaient en exécution ses ordres. Voilà pourquoi il a été jugé. Maintenant, si on le disculpe, on l'acquitte, on dit n'a rien fait. Mais c'est que ceux qui l'envoyaient sur le terrain là n'ont rien fait. Voilà la logique. Donc, ce qui revient à dire quoi? Qu'en réalité, Yves Lamblay, on doit chercher à comprendre qui est français. Qui est français. On doit chercher à savoir qui a tué. Pourquoi la justice française ne parle pas de ça? Pourquoi la justice française s'est imprégnée de l'affaire des 9 soldats qui ont été tués en 2004? Et pour Yves Lamblay, qui était une des grandes personnalités de la France, il n'en parle pas. Pourquoi? En réalité, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont tué en complicité avec Jean-Luc Biot. Parce qu'à l'époque, Jean-Luc Biot, qui est aujourd'hui PDCI, RHDP, parce qu'il est député RHDP, mais il est au PDCI. Vous voyez comment ça colle pas? Jean-Luc Biot, il est député du RADP à Katula, mais il est au PDCI. C'est bizarre. C'est pourquoi Jean-Luc Biot est manipulé et manipulable par la France. C'est pourquoi il s'assoit pour dire je suis candidat, alors que Bédier n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi il cherche toujours à mettre la zizanie, à semer la zizanie au sein du PDCI RDA pour affaiblir le PDCI RDA. Parce qu'il est justement envoyé, justement il est manipulé parce qu'il y a un cadavre dans son placard. Et les Blancs savent ça. Voilà la vérité. De Gaulle n'est coupable de rien. De Gaulle, d'ailleurs, il lui protégeait les gens. Quel intérêt De Gaulle aurait à tuer Yves Lamblay? Quel intérêt? Maintenant, si vous dites que De Gaulle a tué Yves Lamblay, il n'y a pas de souci. Mais qui a tué les 60 gendarmes? Amnesty Tasson a fait le rapport. C'est Zakaria Kone qui a tué 60 gendarmes avec leur famille. À jamais. Tout ça est su. Chez Ousmane Ayopougon a fait un cadavre. Ah, Bobo. Frère, tout ça est su. Et le massacre de l'Ouest, lentement. Coupable jusqu'aux dents. Amadé Ourémi a été sacrifié. Nous le savons. Mais pourquoi on ne le juge pas?
si la justice se veut impartiale. Pourquoi on ne juge pas? C'est pourquoi Gbagbo demande la justice internationale à continuer son travail en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité, camarades d'Afrique. On continue. C'est une question de cohérence et de crédibilité. Il va mentir ici, hein? Ah oui? En même temps qu'il est en train de nous dire qu'il faut une justice qui donc fasse la lumière sur tout ce qui s'est passé et qu'on détermine qui sont les coupables. En même temps, il nous dit que Laurent Gbagbo demande qu'à un moment donné, on s'arrête. Parce que tout le monde... Non, mais c'est ce que vous venez de dire. J'ai dit votre discours. Attendez. Vous, votre discours attendez, on le laisse aller au bout de son raisonnement. Je vais terminer. Faut pas comprendre. J'ai dit votre discours. Alors, vous aurez le temps de rectifier. Si vous estimez que ce n'est pas correct, ce n'est pas cohérent. Je dis, il y a une question de cohérence et de crédibilité. Ah, mais la crédibilité, c'est vous. Non, mais oui, on a... Bible, t'es en train de mentir. Je me réjouis que le PPACI, qui a prôné l'impunité totale dans ce pays et qu'il a réaffirmé au cours du dialogue politique, c'est importante dans le processus de réussite nationale. Oui. On en prend acte. Oui, d'accord, mais je veux tout ça. Alors une minute. Voyez-vous le problème? La crédibilité, vous ne l'avez pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi nous en sommes arrivés au dialogue, y compris les PDC avaient posé ce problème. Pourquoi? C'est votre incapacité. Oui, bien sûr. Votre incapacité de la justice. De donner, parce que jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens se posent la même question. Comment se fait-il que dans une crise aussi ouverte, où il y a eu des gens qui se sont tirés là-dessus, il n'y a qu'un seul camp qui est poursuivi? Tous les acteurs politiques au dialogue ont soulevé ce problème. Alors, c'est faux. Mais c'est vrai. Je veux dire, nous l'avons dit, le PDCI l'a relevé, tous les partis politiques, sauf les RADP, évidemment, eux n'ont pas intérêt à cela. Soit dit, le président même est allé plus loin, il a dit qu'il y a plus de 3 000 morts. Il y a plus de 3 000 morts depuis 2002 jusqu'à là. Mais on est surpris. Et c'est parce que, et ça aussi, c'est ça qui fait mal aux Ivoiriens. Comment se fait-il que dans une telle situation, c'est un seul camp poursuivi? Alors, j'ai une réaction. Ce qu'il dit est faux. Allez-y. Amédée Oremi qui a été tué pour le massacre à Djoukoué. Il dit Amédée Oremi a été tué. Il a mal été comme. C'est-à-dire qu'il est mélangé, il est traumatisé. Amadé Ouremi a été tué. Il a été tué au mytho là. Amadé Ouremi en prison, vous l'avez condamné en prison. À perpétuité, un Burkinabé. Sans défense. Hein? Sans défense. Mytho. C'est-à-dire que. C'est un ministre de la République qui est comme ça. Ministre de notre pays qui est comme ça. Mais. On va vendre le pays là-haut. Voilà. On va vendre la Côte d'Ivoire. C'est mieux. Mais comment quelqu'un qui est en prison te dit qu'il a été tué? Il a été tué où? Il est en prison? Il dit qu'il a été tué. Écoutez-le. Écoutez ici, la partie là. Vous avez posé un problème. Il y a eu une commission d'enquête spéciale qui a été mise en place. Par qui? Il y a eu une commission d'enquête spéciale qui a été mise en place par le gouvernement ivoirien. Et cette commission d'enquête spéciale a enquêté. Oui. Les rapports ont été rendus publics. Oui. Des personnes ont été auditionnées. Oui. Certaines personnes ont été poursuivies. Oui. Qui? Une des personnes dont la responsabilité. Mais juste de connaître, s'il vous plaît. Qui a été poursuivi? Dis ça. Dis qui a été poursuivi. Est-ce que Zakaria Kouré a été poursuivi? Non. Est-ce que Mourou Ouattara a été poursuivi? Non. Est-ce que Cyrus Ma? Non. Est-ce que Los Demand? Non. Est-ce que Fofé Kouakou? Non. Est-ce que Draman lui-même? Non. Mais qui a été poursuivi? Dis-nous! L'une des personnes dont la responsabilité a été clairement établie dans le massacre de Djoukoué a été arrêtée, jugée, condamnée à vie. Ça veut dire. Ah. Donc il dit Amadé Ouremi est mort. Amadé Ouremi a été jugé, condamné à vie encore. Mais, ministre qui est là comme ça. Ça, c'est ministre comme ça. ministre même étonné. Pardonnez-moi, mais je dis son nom. Dis-le. Il a dit son nom, Amadé Ouremi. Venez dire, ministre. S'il vous plaît, monsieur. Venez dire. Contre vous, c'est pas vrai. La réalité, je dis, on est tous d'accord aujourd'hui. Katina, on est tous d'accord aujourd'hui que la réconciliation nationale n'a pas fait l'impasse donc de la justice. Et ça, c'est bon pour les victimes. Parce que nous sommes en train de faire nos débats politiques, de quelque camp qu'ils soient. Très peu de temps, les victimes ont eu la possibilité
est donc de s'exprimer, de se faire entendre. Et donc, Ridi, merci pour l'histoire, mon frère, merci. D'y prendre en compte la dimension des victimes dans tout ce que nous avons fait, elle est importante. Et cette position a été affirmée par nous au cours du dialogue politique, là où vous avez demandé une impunité totale. Monsieur, ah, il ment, il ment. Vous allez réagir aussi, ce sera juste après cette courte pause. Un commentaire. Oui, je voudrais discuter le PDCI. Je suis vraiment aussi, bon, c'est pour garder pas les choses, impressionné par la ténacité. Ça, c'est pas grave. Je connais Catinon, vous voulez réagir? Oui, non, se dit que là, il a parlé d'un consensus, mais c'est ça. Mm-hmm. Le consensus, ça veut dire que plusieurs réflexions pour la même cause. Mm-hmm. Parce que pour dire vrai, la situation de la jeunesse est inquiétante pour nous. Voilà. Et pour tout homme politique en Côte d'Ivoire, elle doit être inquiétante. Il y a des signaux qui ne rassurent pas. Et nous sommes heureux que le gouvernement lui-même ait perçu ça et qu'il commence à prendre des dispositions. Là, on commence à dire. Enfin, des menteurs! Excusez-moi. Amplifier, vous voyez le coup. Voilà, en fait, tu commences à entreprendre un certain nombre de choses. Nous sommes. Quand tu t'arrêtes, quoi? Nous le considérons. Mais voyez-vous, le seul problème que nous avons, quand j'analyse un peu vos propositions, c'est un peu. Je trouve que ce sont des. C'est quand nous appelons. Je prends un peu une expression de. Napoléon! Comment il s'appelle? De l'empereur français, comment ça s'appelle? Napoléon. Napoléon. Ce sont des mesurettes. Voilà. Ce sont des mesurettes. Bon, c'est vrai qu'en chiffres, on voit que c'est énorme. Mais ce n'est pas structurel. Voilà. Ce n'est pas suffisamment structurel. On ne sent et pas ça. Qu'est-ce que c'est? Nous regardons. Aujourd'hui, il y a. Je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement structurel. Pourquoi? Il y a des chiffres en économie qui vous permettent de comprendre si nous avançons réellement. Ouais. Le gros problème que nous avons ici, pourquoi le problème de l'insertion des jeunes, c'est la privatisation à outrance. Voilà. C'est-à-dire qu'on a dessaisi l'État à un moment donné de son pouvoir d'intervention pour le compte des jeunes. Mm-hmm. Vous imaginez aujourd'hui, le financement, les jeunes, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idée, hein, mais c'est parce que qui finance ça? C'est ça. Le secteur bancaire démissionnaire. Voilà. Totalement démissionnaire. Voilà. J'ai regardé le taux de bancarisation. La Côte d'Ivoire a l'un des faibles taux de bancarisation de la sous-région. On a la première économie, mm-hmm. mais notre taux de bancarisation est l'une des faibles. C'est-à-dire le Bénin fait 31%, c'est déjà ridicule. Mm-hmm. Le Burkina fait 20,4%, c'est ridicule. Mm-hmm. La Côte d'Ivoire fait 20%, le taux de bancarisation. Attends. Donc, c'est-à-dire que le taux de bancarisation, c'est quoi? Je vous explique. Le taux de bancarisation, c'est-à-dire que dans ton pays, là, combien de personnes ont une carte bancaire? Combien de personnes ont une carte bancaire par rapport à la population générale de la Côte d'Ivoire, de ton pays? En Côte d'Ivoire, il n'y a que 20%. Il n'y a que 20% de la population ivoirienne qui a une carte bancaire. 20%. 20% qui a une carte bancaire. Mais ce qui revient à dire que le taux de chômage dont on parle, qui est compris entre 70 et 90%, est réel. Parce que quand quelqu'un travaille, il a un contrat de travail, on lui ouvre un compte bancaire. Mais pourquoi il n'a pas de compte bancaire? Pourquoi 80% des Ivoiriens n'ont pas de compte bancaire? Eh bien, parce que ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de contrat de travail. Voilà les éléments qui prouvent que Draban, il est venu pour rien. 15 ans, il va le perdre 15 ans pour rien du tout. Le Burkina Faso de Ibrahim Traoré a 20,4%. De taux de bancarisation. La population burkinabé a 20,4% une carte bancaire. La population burkinabé. Et le Burkina Faso dépasse la Côte d'Ivoire en termes de bancarisation par rapport à la population.
Burkina Faso de Ibrahim Traoré, militaire qui était à Kaya et qui est venu prendre le pouvoir, a un taux de bancarisation élevé que Dramé Ouattara, dont on nous parle, qu'il a redressé l'économie du Japon qui était au FMI. Mais le gars, le Tchadien là, que je vous ai fait écouter la dernière fois, il dit la France ne nous envoie que des cancres. Dramane était cancre. C'est quoi ça? Il vaut rien. À mon foulon. Katina, il y a les Katina les a démasqués comme ça. Là, quoi, c'est comme ça, c'est quoi le voir la guerre là hein? Quand on vous parle, là, quand on parle aux gens là, c'est quoi le voir qui est là? Quand les gens vont en Côte d'Ivoire, ils sont à Cocody Plateau. Ils n'arrivent même pas à Bobo. Ils n'arrivent pas à Yopougon au fond là. Ils se limitent. Cocody, Abidjan, Plateau. Ça, c'est Abidjan Sud. Port-Boué. Même dans Port-Boué là, vous n'allez pas à Doufou. Allez-y à Doufou. Allez à Doufou. Dans Port-Boué, il y a Port-Boué. Donc, les gens vont là-bas, Bassam, Assini, et de la Côte d'Ivoire jolie. Mais. Côte d'Ivoire là, c'est 322 462 km². La Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan seulement. La Côte d'Ivoire, c'est jusqu'en haut là là. Il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui peuvent se taper au moins un mois. Il n'a même pas 1000 francs en poche. Alors qu'il vit le jour au jour. Dans Côte d'Ivoire, là. C'est ça qu'on vous dit. Les gens ne comprennent pas. Dramane Ouattara est en train de faire un embellissement cosmétique. Il met peinture. Et il pense que c'est joli. Mais on veut le moteur. On veut voir le moteur. Voilà, quand il est en train. Quand il a levé le capot. Et voilà le moteur. Voilà le moteur. Près de 90% du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Même le secteur informel va mal. Parce que les gars sont dans les petits brimbrins. Mais tout augmente. Le pouvoir d'achat devient faible. Ils n'ont plus d'argent parce que le panier de la ménagère est en train de flamber. Mais Daouda, qui est garagiste, qui répare les moteurs des gens à 100 000 francs, ou à 300 000 francs, ne peut pas augmenter. Il a oublié de réparer à 300 000 francs. Mais, pendant qu'il répare à 300 000 francs, pendant qu'il réparait autant de babos à 300 000 francs, l'huile était à 700 francs ou 800 francs. Il répare à 300 000 francs autant de Dramane, l'huile est à 2 000 francs. Vous voyez que son pouvoir d'achat diminue. Vous voyez que son pouvoir d'achat diminue. Donc, Daouda, il va mal. Il va mal. Donc, Daouda, il donnait un peu au temps de Gbagbo, il donnait un peu à ses apprentis le soir, il donnait 5 000, 3 000 à ses apprentis le soir, mais Daouda, il a oublié de diminuer. Il a oublié de diminuer. Alors, nous, on était au garage. Moi, j'étais au garage. À Saint-Pedro, moi, j'étais mécanicien. Dans le garage, mais le boss avant de la manière il était généreux, mais au fur et à mesure il devient moins généreux. Et après il devient méchant. Mais c'est pas méchant, le boss n'a plus rien. C'est ça. Écoutez, on continue. C'est quoi d'Ivoire vous montre aujourd'hui? C'est pas parce que je n'aime pas mon pays, mais quand tu as une maladie. Il faut exposer la maladie pour qu'on puisse te donner des solutions, pour qu'on puisse soigner. Mais toi, tu es malade, puis tu es couché à la maison, tu caches ta maladie, mais tu vas mourir. Voilà Côte d'Ivoire. Voilà ça. Tout le monde n'a qu'à voir. T'as dit que quoi? Que sur les populations ivoiriennes qui sont capables, actives, il n'y a seulement que 20% qui ont accès, qui ont un compte bancaire. Voilà. C'est ça? Pour que mon parent de Aïkoka comprenne ce que je suis en train de dire. Il a un compte bancaire. Ça veut dire que quoi? Qu'ils ne peuvent pas du tout bénéficier de l'appui des banques. Oh, tout développement, toute économie. Aujourd'hui, quand on prend la Chine, quand on prend comme de l'Inde, ils ont d'abord été maîtres de leur secteur bancaire.
Et c'est quand on est maître de ton secteur bancaire que tu peux l'orienter. Draman, tu es libéral. Il vient, lui, en Côte d'Ivoire, il vient travailler dans les niches. Cacao, fonctionnaires, ainsi de suite. Et puis ils s'en vont. Mais mon petit frère qui vient du village, qui a eu une belle idée. Bon, je veux construire, par exemple, tel truc. La banque, il n'y a aucune banque aujourd'hui. Je peux... Oui, je vous avais raison. Je vous avais raison. Il n'y a aucune banque. Donc, ce taux de 20%, c'est un exemple. C'est le deuxième exemple que nous regardons, c'est cette tendance. Même le Mali a un taux de bancarisation plus élevé que la Côte d'Ivoire de Draman. C'est grave. Hein? Mais ce que Katina dit là, c'est grave. Parce que regardez un truc. Quand tu veux prendre crédit à la banque, il faut avoir déposé de l'argent dans ton compte. Vous comprenez? Mais et si tu n'as pas de compte, comment tu vas prendre crédit? Si tu n'as pas de compte bancaire, comment tu vas prendre crédit? Parce que on ne sensibilise pas. Non seulement on ne sensibilise pas, mais il n'y a pas de débouché. L'homme qui est parti à l'école, il a fait ses PSP2 en terminale, il est parti décrocher les doctorats. Et il n'a pas de travail. Mais il n'a pas de travail. L'argent, ça ne rentre pas. Mais il va créer un compte bancaire. Comment? Il ne peut pas créer un compte bancaire. Il n'a pas de bourse que l'État vit sur son compte. Ici, là, les étudiants, les jeunes étudiants, les jeunes écoles, mais ils ont des comptes bancaires. Chaque mois, ou je sais pas, chaque trimestre, l'État vit leur bourse. L'État vit leur bourse sur leur compte. Vous comprenez? Donc, quand ils viennent comme ça, là, ils ont un compte bancaire qui est régulièrement alimenté. Donc, quand ils viennent comme ça, quand ils veulent travailler, ou bien quand il veut entreprendre, il va vers la banque. Je veux entreprendre. Voilà ma domiciliation, voilà mon identité, je veux entreprendre. La banque peut lui prêter crédit. Parce que lui, il a un compte bancaire depuis il a 17 ans, 18 ans. Mais nous, en Côte d'Ivoire, le vieux, il est chauve. Il n'a pas de compte. Dans le pays de quelqu'un qui a travaillé au FMI. Ça là, comment on peut comprendre? On ne peut pas comprendre. Draman, il ne vaut rien. Draman, ce n'est pas la peine. Ça peut se promener. Macron l'envoie, il s'en va. Macron l'envoie, il s'en va. Oh, le Mali est en train de... Le Mali échappe à la France. Et, oh, il porte cravate, il se sec. Il s'en va là-bas. Le Burkina Faso veut échapper à la France. Écoute, il vient en France. C'est ça seulement il fait. Les Ivoiriens s'en foutent d'eux. Mais c'est fini. Tu as quitté le pouvoir là. Tu as quitté, on ne peut plus accepter ça. Vaurier trop. À ma foi, non. Hein, Bataillet ? C'est moi qui le gouvernement fait des efforts, hein. La question qui nous revient constamment, et d'ailleurs, je suis heureux que le ministre soit là parce que le centre de départ de l'immigration, c'est là où vous êtes député. Peut-être que vous avez des solutions. Dans la loi. Parce que l'émission que nous avons regardée, nous avons vu des. Moi, j'ai suivi la route de l'immigration. Le centre de départ de l'immigration, c'est la loi. Si vous êtes député. C'est inquiétant. Pourquoi nos jeunes, malgré tous ces efforts, vous dites faites des efforts, malgré tous ces efforts-là, et que la Côte d'Ivoire est la plus pourvoyeuse de l'immigration en jour. D'accord. Donc, ce sont tous ces éléments qui... Alors, je pense que Katina s'embrouille un peu. Hein, taux de bancarisation, financement des jeunes, etc. Dire que j'ai écouté les propositions qui ont été faites par Maître Habiba au nom donc, du PPACI. Je vis des incantations. Je n'ai vu aucune proposition concrète. Lorsque vous dites, par exemple, pour régler le problème donc, de l'accès des jeunes à l'emploi, il faut régler le problème de l'inadéquation formation-emploi, vous réglez ça comment? Lorsque vous dites que vous mettez en place une banque de l'emploi pour financer les projets des jeunes, vous le faites comment? C'est quoi une banque de l'emploi? Lorsque vous dites que c'est quoi une banque de l'emploi sur la sardine pour avoir beaucoup de milliards pour construire des ponts, etc. Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça.
il y a, et vous verrez lorsque le document sera publié dès lundi, ce n'est pas des mesurettes. D'abord, il y a des réformes avec des facilités au niveau fiscal pour les entreprises, les inciter à embaucher donc des jeunes. Donc, je vous le dis, il y a les réformes de notre système d'enseignement technique, la gouvernance de nos établissements et des curricula donc de formation. Il y a la construction d'établissements techniques en adéquation avec la réalité économique donc de chaque... Là, on a parlé un peu, hein. Au niveau de l'enseignement technique. Les 18 établissements de formation technique qui seront construits le seront dans des régions en fonction des besoins, donc en termes de l'économie de ces régions. Quand vous avez, ça fait 10 ans que vous êtes là, vous n'avez rien fait. Le de l'entreprise qui permettra, parce que lorsqu'on parle d'entrepreneur, ce n'est pas de l'argent. Ces jeunes qui veulent être des entrepreneurs ont besoin d'être formés. Tout le monde vous dira que ça passe d'abord par la formation. Mais, le guichet unique règle en partie ce problème. Mais depuis vous êtes là, donc vous n'avez rien vu. C'est maintenant en train de dire ce qu'ils ont, ils vont faire. Mais depuis 2010, ils disent ça. Ils disent ça. Mais faites! Vous ne faites rien. Puisqu'il y aura une entité au sein de ce guichet unique, oui, il faut de la formation, oui, donc des PME. Ensuite, effectivement, il y a la difficulté d'accès donc, au financement. Puisque les banques, surtout les banques commerciales, financent très peu. Le gouvernement décide donc de développer un système donc, de fonds de garantie. Depuis quand place au sein de ce guichet menteur unique, faut les garanties qui permettra donc à des jeunes d'accéder plus facilement. Et même si les jeunes ont des financements, il faut qu'ils accèdent à la commande publique, il faut qu'ils accèdent au marché. Aujourd'hui, le code du marché public en Côte d'Ivoire sous-traite 30% donc des marchés donc à des PME. Même si nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 50% donc des marchés qui sont sous-traités pour les PME. L'idée dans ces réformes qui sont annoncées, c'est de faire en sorte que beaucoup de jeunes entrepreneurs puissent accéder donc au marché public. Donc formation, appui donc à l'entrepreneuriat, appui aux start-up. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une floraison de start-up dans le domaine digital, etc. Et ce sont des jeunes aujourd'hui qui innovent, qui apportent des solutions concrètes. Donc ce n'est pas des mesurettes. En tout cas, ces mesures-là, par rapport à ce qui a été proposé le samedi... Mais depuis que vous êtes là, vous ne faites rien. C'est parce que Gbagbo a proposé aux jeunes, au palais de la culture, qu'eux, ils envoient leur proposition. Mais vous, depuis 10 ans, Gbagbo est à la haie. Depuis 10 ans, Gbagbo est à la haie. Ils n'ont rien fait. D'ailleurs, même, comme Rudy le dit, ils vont casser la maison des jeunes pour les mettre dehors. Ils vont casser les lieux de débrouillage des jeunes pour les mettre à la rue. Ce soir, je suis pas venu ici pour faire de la polémique. Mais nous héritons de votre héritage. Quand vous avez passé 10 ans à instrumentaliser des jeunes dans les agora, parlement, etc. Parce que Laurent Gbagbo qui dit aujourd'hui qu'il va instituer donc des rencontres avec les jeunes, il aurait dû le faire quand il a passé 10 ans aux affaires. Gbagbo était en contact avec la jeunesse. Il était avec la jeunesse. C'est ce stock-là que nous devons gérer. Donc 10 ans, je vous ai parlé, près de 4 millions de jeunes que vous avez laissés donc, à la rue. Vous savez que les seuls événements de novembre 2004... Votre rébellion. Avec les casses des entreprises ici à Abidjan ont fait perdre, selon Jean-Luc Billon, près de 120 000 emplois à notre économie. Donc, pour vous dire... Mais là, vous avez quoi? Vous avez un problème de crédibilité, de cohérence, en tout cas... Menteur, là. Sur l'efficacité des politiques publiques en faveur des jeunes, le PPACI, le FPI version PPACI, est très mal placé aujourd'hui parce que malheureusement, et j'espère que vous allez nous aider à faire renaître toute cette jeunesse-là que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez miliciarisée hier. Miliciarisée, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Mytho. Miliciarisée. C'est le ministre qui dit ça. Miliciarisée. Allez chercher dans votre dictionnaire. Miliciarisée. Milicien. Milicien. Et puis il met siarisé dessus. Miliciarisée. Allez chercher dans votre dictionnaire. Ça n'existe pas. C'est un fourrier. Coudeuil, quand on va répondre à ce Ouaworo. Je vais donner des perspectives. Sur l'immigration, je m'en voudrais de ne pas en parler. En 2000, lorsque vous avez vos affaires, selon les organismes internationaux, notamment l'OIM et l'OCDE, c'est 3000, puisque Laurent Gbagbo dit que quand il était aux affaires, personne ne partait à l'extérieur. C'est faux. 3000 Ivoiriens en 2000. En 2009, 9000. Vous avez triplé le nombre de départs à l'étranger. C'est votre guerre là qui avait ça. Que Laurent Gbagbo s'assoit devant les gens pour dire. Que votre guerre là. Aujourd'hui. Totalement. Vous êtes vraiment embrouillé, monsieur voilà. Le ministre. Vous ne maîtrisez même pas du tout votre propre secteur. Voilà. Parce que
Vous parlez, je vais vous expliquer quelque chose. Voilà. Sur le plan de la fiscalité, vous n'avez rien innové. Depuis Houphouët-Boigny, il y a toujours un plan de mécanisme de, d'aide aux enfants au niveau fiscal. Donc vous n'avez rien innové. Deuxièmement, en quoi est-ce que je me suis embrouillé? Tu es embrouillé? Tu t'attends parce que tu mens. Je reviens tout à l'heure sur chose. Deuxième élément sur les choses, sur ces questions. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous, hein? Voilà. C'est la rébellion, votre rébellion là. Voilà. Au pouvoir, là. Voilà. C'est elle qui a gâté le pays. Voilà. C'est elle. Votre course au pouvoir en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion là. C'est vous qui avez formé ça. Voilà. Entre les jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer. Je préfère ceux qui font l'agora. Voilà. Précision pour que vous puissiez comprendre. Également, votre à ce niveau-là. Troisièmement, c'est la question de l'immigration. Ce n'est pas nous qui le disons. On vous dit, encore qu'on peut comprendre qu'en 2009, il y avait une situation de crise dans quelque chose. Mais nous sommes en 2020-21. Et c'est le ministère de l'Intérieur de la France. Le ministère de l'Intérieur de la France qui dit qu'elle même ne comprenne pas du tout. Hein? Non, Facebook. Non, c'est Facebook. De circonstances qui sont liées, qui font que les gens s'en vont. Allez, mais en Côte d'Ivoire, il faut que j'explique quand même. En Côte d'Ivoire, oui, bien sûr, nous bien avons sûr. Du mal à comprendre qu'on se lève chaque matin, on s'auto-célèbre, nous performons, et puis subitement, on tourne nos populations en train de partir. D'accord. Allez, il faut non, je finis maintenant sur la question bancaire. Rapidement sur la question bancaire. Je crois que, monsieur le ministre, je voulais poser une question. Je ne sais pas que vous n'avez pas bien compris. Je dis à vous qui êtes le président embrouillé, vous n'avez pas bien compris. Oui, allez-y. En toute honnêteté. Oui. En tant que ministre de la Jeunesse, oui. Est-ce que vous êtes content oui. du système bancaire actuel en rapport avec le financement des jeunes? D'accord, je vais vous répondre. Une question. Déjà, alors, monsieur, oui, non, je vous donne la parole, mais oui. Permettez-moi de faire une précision. Oui. Nous sommes arrivés au terme d'une partie pour cette émission. Je vais vous accorder quelques minutes encore. Nous allons être obligés d'y mettre un terme. D'accord. En espérant, on était vous avoir, on était dépendu, en espérant vous avoir, Arthur Manga, soyez gentil, s'il vous plaît. Ça finit comme ça. De votre résilience, vous et les autres. En espérant avoir le ministre Touré Mamadou, Justin Collet-Gatina pour d'autres débats comme ceux-là, en vue d'éclairer la lanterne des Ivoiriens qui n'attendent que ça, finalement. Monsieur le ministre, allez-y. D'abord, premièrement, je n'ai jamais dit que des jeunes ne vont pas. Il dit que lorsque Laurent Gbagbo. On va écouter la dernière partie. Vous avez des citoyens qui vont dans des pays. Un témoignage de et qui se déclarent d'une nationalité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément de cette nationalité. La preuve, c'est que. On a fait des tournées. Nous avons. Pour la nation, vous savez que les gens allaient être ivoiriens. Oui, mais je vais vous dire. Allez-y rapidement. Non, non, non. Terminez vos développements. Parce que. Notre gestion est beaucoup plus rigoureuse, plus heureuse que la vôtre. Oh là là, ça c'est le préemptoire. Nous avons fait une mission, avec le gouvernement italien. Le gouvernement italien. Oui, s'il vous plaît. Bon, vous avez fait partie de la mission. Et cette mission allait sur place, oui. Avec des gens du ministère de l'Intérieur, oui. Pour essayer d'identifier tous ceux qui se déclaraient ivoiriens. Oui. Près de la moitié de ceux qui se déclaraient ivoiriens ne l'étaient pas. Oui, mais sérieux, Je suis un peu et justement, l'effet de toutes ces mesures que nous sommes en train de prendre, c'est qu'il n'y ait pas d'Ivoiriens qui partent. Surtout que vous avez beaucoup de jeunes Ivoiriens qui, eux, ont décidé de ne pas partir, mais qui s'épanouissent dans leur pays. Et donc, nous continuons. Et vous avez vu l'action du gouvernement lorsque le problème s'est posé en Tunisie. Ce que nous avons fait venir, que nous avons profilé, à qui nous avons donné des perspectives d'insertion professionnelle. Mais je dis simplement, M. Katina, ce n'est pas honnête. Ils sont quoi là-bas? Ils sont quoi en Tunisie? De gouvernance. Aucun jeune n'a quitté la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo, comme il a dit. C'est faux. Touré Mamadou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le ministre de la promotion de la jeunesse. Je suis content, mais vous aurez l'occasion. On a pris beaucoup de temps sur le. C'est fini. Acceptez de vous prêter à ce. Donc, camarades, vous avez écouté ce que Katina a montré à ce Côte d'Ivoire. Il dit, Katina dit, vous dites,
on a fait ceci, on a développé, on a fait cela. Mais vos enfants, les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, est en train de fuir. Vous dites que vous avez rendu la Côte d'Ivoire un paradis. Vous avez fait de la Côte d'Ivoire un paradis. Qui aimerait fuir un paradis? Qui? Voilà la question. Point d'interrogation. Qui aimerait fuir un paradis? Personne. Mais comme, pourquoi vous, la jeunesse ivoirienne, fuit la Côte d'Ivoire? Mais moi, je pose cette question toujours à nos confrères civils activistes RDR. Vous êtes en France avec nous ici. Vous êtes en Baragnini. Chacun est mieux chez soi. D'autant plus que nous ne sommes pas nés ici. Frère, chacun est mieux chez soi. Moi, je suis là. Les moyens que j'ai ici en France, là, si je sens en Côte d'Ivoire, wallahi bilahi, je ne quitte pas mon pays. À moins que voilà, je sois dans la situation où je suis avec Draman. Mais si nous on prend le pouvoir et que moi, je peux avoir les moyens que j'ai ici en Côte d'Ivoire, le train de vie que j'ai ici en Côte d'Ivoire, moi, je ne quitte pas mon pays. Je quitte mon pays pour rien du tout. Mais eux, là, quand tu leur dis de rentrer en Côte d'Ivoire, ils ne veulent pas. Il y en a qui sont en Tunisie, malgré cette vague de racisme, de persécution contre nos frères noirs, il y a des Ivoiriens qui refusent de retenir. Ça va pas. Ça va pas au paradis. Tout le monde fuit le paradis. Comment on fait? C'est ça la vérité. Donc, bravo à Katina. Il a montré le visage hideux de la Côte d'Ivoire à la face du monde aujourd'hui. Donc, camarades, on va mettre un thème au direct. On est à 1h10. Demain, je vais faire un autre direct sur tous les pays du continent, super tard là. Voilà. Maintenant, il y a la Guinée-Conakry, je dois faire une vidéo spéciale pour ça, pour taper dessus. J'ai fait une vidéo pour le Gabon, pour la fille, notre consoeur, notre soeur qui a été assassinée au Gabon. Là, j'ai fait une vidéo qui est disponible actuellement sur Bago Fils. Exactement, Ridi, Doumbouya. Voilà, j'ai fait un direct sur Doumbouya. Une vidéo sur Doumbouya après. Ou demain, Inch'Allah, vous allez voir ça. Parce que je dois aller sur For You Media très rapidement. Je dois aller sur For You Media à 11h30. Je dois être sur For You Media. Voilà, parce que ils m'ont sollicité. Je dois être là-bas sur la radio de For You Media à 11h30. Donc, il faut que j'aille dormir pour travailler pour l'Afrique. Camarades, partagez. Je vous aime. Redi, merci beaucoup pour l'étoile. On est ensemble. Merci les gars. Merci. On est ensemble. Merci. Ciao.